situation n'est pas trop bon que ça pour journée lundi 4 mars 2024 là, côté que coup de balle continue à chanter dans niveau zone route aéroport, zone tout près et porte aéroport international tout ça le vertillon, côté en pile confrères et consœurs capable tendre mais coup de balle cap chanter dans tout périmètre mais aéroport international tout ça le vertillon et mes situations qui toujours été et vraiment danger fragile dans niveau Badelma et côté qui en pile couri cap fait dans zone ça côté en pile monde a obligé quitter la caillou pour aller chercher un petit refuge car on le proche plus ou moins qui va gagner problème selon élément information que n'apprendre que mes bandits armés yo qui gagnent dans tête yo pour continuer attaquer un ensemble de espace l'état gagnent surtout un ensemble de bois l'état et je que nous connais le dimanche qui était 3 mars 2024 là gagnent coordonnateur Sinapoa Lionel Lazare qui les même tape lancé de SOS dans oreilles wo commandant la police là pour te dire que gagne de menaces d'alerte qui pendier sous local Simoa qui trouvait le soute et Andy Pisnan mais côté que li te mandé avec autorité yo nan niveau la police nan pi au niveau pour toute disposition pour empêcher que bandi armé yo fait attaque à prendre d'assaut local à Simoan mais la police qui t'a fait intervention rapide pour pas contre situation pour te empêcher que bandi armé yo même yo pas rivé mais prend action et prend espace ça maintenant dit route aéroport pas bon même moment n'a parlé là c'est coup bal cap chanté pour tout après-midi mais qui c'est lundi 4 mars 2024 Non, mais information qui fait qu'on est que PM Ariel Henry t'a déjà rentré, mais c'est de information qui a circulé, mais jusqu'à présent. La primature, le ministère qui sa communication, pourquoi en mesi pour ta confirmer est-ce que PM Ariel Henry li cassé tête retourné dans pays an, bien que mes constats journalistes prouvaient que gen en pile dispositif de sécurité qui prend dans ensemble de espace sa yo, monsieur Lameyo, monsieur USGPN pour garder comment que yo capable sécuriser PM Ariel Henry qui t'a dwe cassé tête retourné dans pays an, après se participer dans 46e sommet chef gouvernement ak chef d'état caraïbio après te rendu dans pays Kenya pour la signer mais accord ça avec président Kenya qui c'est William Ruto pour yo capable permettre que mission ça rentrer dans pays d'Haïti et que Kenya capable prendre li en charge n'a dit mais c'est presque tout week-end là mais Port-au-Prince zone qui environne lio connaît des moments très difficiles mais côté que pendant toute journée ça pendant tout week-end en même temps tout mais coup de balle pas de suspense chanté et mon qui était dans gros courri, gros laisser frapper, gros difficulté dans centre-ville à Port-au-Prince. Et Nabdi, c'est un Port-au-Prince, la rue Port-au-Prince qui envahit avec un cadavre, moun qui mourit, jeune garçon qui mourit, dans diverses rues en bas la ville. Et en même temps, tout, il y a des moun qui mourit en dedans l'hôpital général, soit deux malades qui étaient déjà en dedans l'hôpital ça, ou dimanche tout, deux moun qui prend balle dans le cadre ensemble de. Assaut, attaque bandi a fait et qui était déjà la cause plaisir moun prend balle mais en pile moun qui mouri dans cette ville Port-au-Prince et dans l'hôpital général et n'a dit clairement tout mais c'est un Port-au-Prince qui vraiment gen mauvais l'odeur qui a dégagé la donne à cause question on dit moun qui mouri cadavre tri bon pas bon n'a dit mais l'état haïtien à travers mais on dit Toro qui a ciré intérim gouvernement n'a parlé de ministre économique finance qui c'est Michel Patrick Boisvert mais le fait qu'on est que là il a décrété ça relé état d'urgence dans tout pays là et selon ça on fait qu'on est que état d'urgence ça mais il commençait depuis non journée qui était dimanche 3 mars non mais gouvernement décrété état d'urgence dans le département l'Ouest non pour 3 jours mais décision ça prend pour capable rétablir l'ordre dans département après que bandi armé t'ait fin attaqué pénitentiaire national à cap prison civile là des bouquets, des couvre-feu tout qui lancé, qui décrété depuis dimanche 3 mars 2023 à partir 8h après-midi, dans soir et pour lundi 4 mars, il a décrété couvre-feu tout, mais qui a commencé depuis après 6h dans soir, depuis l'état, la police, t'a joué de monde dans la rue après les ça, si c'est pas ta urgence que monde a gagné, mais il a agi contre monde ça, selon ça qui dit, et bon côté, ministre a assuré pour un petit bout de temps, tep qui m'a dit Michel Patrick Boisvert et couvre-feu ça, et du justin l'a campé pour jusqu'à 6 mars cap vini là
selon élément information yo. N'apprend que gouvernement fait qu'on est là et la police t'a tenté repousser bandi armé yo qui t'est prenda sous pénitentiaire national à Cap prison civile quoi des bouquets, mais dans communiqué que mettait dehors dimanche qui était 3 mars 2024 là, mais gouvernement fait qu'on est qui admet que policiers ont pas réussi à empêcher mais gang criminel yo libéré un nombre insignificatif prisonnier en dedans pénitentiaire national à prison civile quoi des bouquets, situation ça qui justifiée par le fait que force l'audio y était engagé ou sous plusieurs autres opérations bien que mais y a pas en mesi pour capable mais repousser bandi yo parce que y a pas gain moyen adéquat nan men yo gouvernement travers ou non temps mais les mecs qui pote siati mais sous compte officiel ministère communication ak féliciter population haïtienne nan qui garde cali et qui ben ou encore ça n'est bon exemple selon ça qui dit bon côté gouvernement haïtien gè directeur exécutif RNDDH nan qui rend responsable gouvernement qui selon lui qui en connivence avec bandio qui envahit pénitentiaire nationale mais ça qui occasionné là gè un pile gros bandi qui prend la rue si n'est capable croire Pierre Espérance il fait qu'on est gè 107 policiers qui mais même mouri depuis que France LB lui-même arrivé dans la police là c'est-à-dire pendant plus que 2 ans France LB gè comme DGA et la police. Selon Pierre Espérance, il fait qu'on est que gagné 107 policiers qui mourit et que 25 stations police qui livraient que bandits pillés et puis il a trouvé une situation très difficile selon ça qui dit bon côté Pierre Espérance qui lui-même t'est parlé non micro journaliste. Face avec la situation qui gagne là, on a dit clairement que gagne ambassade dans États-Unis là, mais qui lance appel à tous citoyens américains pour quitter Haïti le plus vite que possible. Possible face avec la détérioration situation sécuritaire dans le pays d'Haïti. Dans notre ambassade l'a mandé avec Américains qui trouvent en Haïti pour quitter le pays et ça qui déjà la caillou aux États-Unis pour pas gagner l'idée rentrer dans le moment dans le pays état dans pays d'Haïti parce que dans le moment ça n'a dit que mais tout vol que compagnie American Airlines lui même qui dégaine sur Haïti et Haïti États-Unis yo annulé li pour une période de 3 à 4 jours selon ça qui dit bon côté mais journal Miami RAL qui fait qu'on est que American Airlines même avec JetBlue même avec Spirit ils ont annulé tout vol que eux-mêmes yo te gagné sous Haïti pour moment côté que situation ça insécurité à la cause que yo campé tout vol yo presque toute institution étatique aussi qui trouvé dans quoi des bouquets trouvé yo entre main bandi yo en bas main contrôle bandi armé yo des prison civile là commissariat tribunal là mais BNC pour citer ça seulement que bandi yo saccagé dans quatre attaques yo a commettre sous un ensemble de institutions étatiques en pays et dans sens ça n'a prendre que autorité concernée eux-mêmes clair que je dis, hein, yo paraît incompétent, yo paraît incapable face avec la situation qui a développé en dedans pays. Gagne un C député, Charles Zé Chancy, Marquis Kessa, Joseph Félix Badio, Robinson Pierre Louis, yo été dans cellule après évasion pénitentiaire nationale là samedi passé, hein, mais yo passé toute soirée dans cellule sans sécurité, mais dimanche qui était 3 mars là, yo était transféré yo dans commissariat zone métropolitaine Port-au-Prince. Non, mais n'a Clifford Brandt, Dimitri Hera, j'ai la guerre civile et Michelet Virgile qui fait partie prisonnier qui est sauvé. Yo, mais nous confirmer que selon source policière que je ne le dis ça, mais messieurs, ça eux-mêmes. Yo quitté prison civile là même avec Andy du Colombien qui ont même resté dans prison et beaucoup y a transféré dans DCPJ selon élément information yo gagné OEA organisation état américain qui dit préoccupé par situation insécurité généralisée que pays a connaît là situation ça grave Haïti estimé et ensemble de organisations ça yo OEA li estime que jodi an la li invite ONU pour prendre disposition rapide pour résoudre problème insécurité yan. Sans sécurité pas gè san rele démocratie an dan pays c'est ça qui fait qu'on est bon côté OEA mais on a qui publié je viens le dit 3 mars nan secrétaire général OEA qui c'est Luis Almagro li dit déterminé pour renforcer coopération avec Haïti pour faire face avec gros problème insécurité instabilité démocratique, chômage, insécurité alimentaire, corruption et pour ne citer ça yo seulement. Voilà messieurs dans point ça yo ak divers l'autre qu'al fait essentiel notre nouvelle ça sous mais ça nouvelle j'en toujours dit grâce avec confrère et puis concerne yo dans la voix d'Amérique mes amis. Encore déjà très bonne écoute tout le monde en nous like, en nous partage. C'était lundi 3 mars 4 mars là.
que balap chante dans toute zone aéroport, dans toute zone airport là, semble nek ti gen zami légal nan meyo, gèl aprenn que Ariel Henry apote nan peyi an, yo décidé pour yo tirer balle dans tout périmètre là. La police chablende décide à boucanter koubal avec bandi yo. Pot jab malé est kap sot travail nan son api yo, gen ki ap obligé kouri, ap jè coin, ap rentre en barrage, gen blessé. Mais dans quelle situation que bi a trouvé l? Moun Badelma, moun Rodelma, moun centre-ville, moun sa yo gen trop problème nan moment n'a parlé là. Pouvoir décréter état d'urgence. Yo lancé couvre-feu dans tout pays an. Et yo di yo bay 3 jours pour yo capable prendre contrôle situation gen dans pays an là, dans capitale an surtout. Pendant ce temps, bandi yo te annoncé dans quelques heures, yo pral craser pénitentiaire nationale au Brésil. Yo craser commissariat, yo bouler commissariat, yo touyer policier. Yo pa fait, l'état pa fait rien, l'état pa dit rien. Yo fin craser jardin et laisse après les fermer barrière. Des événements comme Nagui Frame avant que ni se voit invité à matin en émission jeudi. Blaise Peterson tant pou Karim Makel, pa gen la joie, pa gen ke content et situation pays à chaque jour ka permettre moi-même ou même lui-même et tout le monde ka garder en général trouver yo dans stress, dépression. Et questionnement au passé semaine venir sous comportement monde qui dit yo c'est autorité cap garder pays à cap départ fini quand on voit chaque jour monsieur qui gaza illégal dans main yo que en pile monde connaît que l'état a terrelé yo agent social dans zone défavorisée yo et bien c'est eux même cap fait causer massacre cap fait sous massacre en dedans pays à ça te fait déjà yo pas gain jugement qui fait pour yo pas gain monde et qui subit peine pour yo ou bien ça a été arrêté dans cadre massacre yo libéré dans pénitentiaire nationale. Ou est-ce que je dis, c'est marché la guerre, c'est tout le monde dégagé pour être au caboué de corps dans le niveau capital, tant qu'on juge deal, capital la senti cadavre, capital la senti mort. Et le monde dans le cap haïtien prend disposition. Ariel Henry, pape, rentrer dans l'aéroport qui dans le cap haïtien. Yo voyez une mise en garde, bail responsable, aéroport. Yo dit, yo, si vous avez mal, recevoir Ariel Henry dans l'aéroport, l'explication des amis internautes. Eh bien, yo-même, yo pral manger, la caille responsable, yo pral dormir, la caille responsable, yo pral dans piscine, la caille responsable. Ça, tout décrit, modèle réalité, qui gen la rende dans pays ya. Est-ce que, oligarque corrompu, secteur d'affaires économique en dedans pays ya, qui implique, pour certains, la crise que pays a plongé là, je dis, hein, parce que, situation te détériorée pour Tima de Sarayo, pour moun qui nous ont défavorisé, yo pas de jam, di yon mot, est-ce que je dis, nek azam yo décidé, dire bouzam nan sou yo vraiment l'explication. D'après porte-parole Maison Blanche là, John Kirby, yo fait quoi que gouvernement américain rete nan parole serré serré ak responsable nan pays d'Haïti sous dimension que crise là a prend là l'explication. Plusieurs lignes aériennes tant que Spirit, American Airlines, pour citer ça seulement, yo prend disposition pendant 3 jours pour yo pas prendre direction pays d'Haïti. Ambassade américaine exhorte tout citoyen américain qui est dans le pays, que ce n'est pas qu'un autre, que ce n'est pas chaleur, pour faire moyen, dans n'importe moyen, pour quitter sol le pays d'Haïti, parce que la bagarre n'est pas belle, il n'est pas joli, sans cadavre, capoté, mauvaise maladie, la caillou, pour quitter le pays. La situation, nous pourrons questionner, nous pourrons analyser, ensemble pour ça, avec invité Kengea, sans doute qui à la hauteur des situations qui a passé. On est dans le pays, les maîtriser, nous allons regarder avec lui pour permettre que les amis internautes, les infos, prennent les nouvelles, mais ça nouvelle, comprennent ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et c'est dur, c'est triste que je dis en groupe Negap crié à Ariel Vivizo. C'est vraiment triste, c'est vraiment dur, je dis. Hein. Maintenant, qui s'appelle à trouver, maintenant, qui niveau situation lui-même arrivé, je dis, hein, là, ça montre que, ensemble de monde qui l'a yo, on va poser la question, est-ce que c'est chef, est-ce qu'on fait accomplir ce qui a passé dans le pays? En tout cas, mes réalités, hein, je dis, avec Haïtien. Hein. Illus Jean Chenet, comment Negap frère, ou c'est dirigeant et strictement mouvement point final, comment est-ce que Blaise, nous ne sommes pas capables de dire nous en forme parce que l'image paysan projetée là, pas de monde responsable qui est capable de dire en forme, mais quand même, on est là, on se maintient. Qui de nous saluer, camarade Désir, moi qui démarre l'émission en tout feu, tout flamme, et que nous saluer, monsieur très fort. Nous saluer fidèles internautes, Kogen et Blaise, son plaisir après-midi pour nous parler sous crise
qui traverse Bilbey. En nous gardant, nous même dans le mouvement point final, comment d'abord, ou même Ulysse Chenet, comme citoyen d'abord, j'aime toujours poser question avec plaisir invité qui est là, nous, où vivent et situation ça qui a développé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, depuis vendredi, depuis jeudi 29 février, jusqu'à jeudi là. Et mais événement ça qui passe, nous même nous constater, nous analyser et que vous essayez comprendre Mbral Blaise dans l'histoire contemporaine d'Haïti, c'est pour la première fois que le pays a connu une situation pareille. Même durant la chute du régime dictatorial des Duvaliers, à savoir le 7 février 1986, la situation n'était pas aussi bancale. Même avec le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide en 1991, bagayo pas aussi catastrophique. C'est-à-dire, ça que nous vivons en pays en journée aujourd'hui, c'est du jamais vu dans l'histoire politique d'Haïti. Comment vous capable d'imaginer des bandits notoires, des gangs armés qui déclaraient que yo pral attaquer des institutions républicaines du pays et yo fait l'État pas jamais mettre la mesure pour te riposter. À savoir, bandits ont dit yo pral attaquer commissariat, yo attaquer et yo fait des victimes. Yo prend commissariat, yo met des feu dans dan. Yo aller dans académie police route frèlan, yo crasé mi, pas gen monde qui riposter. Yo aller nan kibosa, nan aéroport, yo tiré, yo crasé vite, yo tiré avion, yo bay employé balle, la police prend balle, pas gen monde qui riposter. Et ça pire de là, moins que 72 heures après, les gens qui ont attaqué pénitentiaire, depuis au cours de la journée, ont image drone qui a circulé, qui a montré que les gens qui ont contrôlé pénitentiaire, qui est le plus grand centre carcéral du pays, qui gagne environ 4000 détenus là-dedans, en plein cœur de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Et dans la soirée du même jour, ils ont attaqué les pénitentiaires, ils ont mis tous les prisonniers dehors, mais ils ont deux trois qui étaient malades, qui étaient dans la prison. C'est pour montrer que le symbole de l'État d'Haïti a effondré actuellement net. Mais ça montre qui ça dit, ça dit qui ça et Ulysse Chenet. Ça crivé. Hein. L'autant des déclarations et groupe armé ça. Parce que par exemple, si nous avons un barbecue, qui clairement, qui convertit en porte-parole et mouvement ça qu'a fait là, il dit que dans la déclaration que le fait, il y a même une bataille contre le système, il y a même une bataille contre oligarques corrompus, il y a même une bataille pour craser et jeter Ariel Henry. Et selon même, est-ce qu'on croit vraiment dans la déclaration barbecue fait sur ça? Baldo. Gagner trois niveaux de compréhension, ça qu'a fait. D'abord, il y a la complicité du gouvernement en place qui travaille sur un projet pour faire entrer une force multinationale dans le pays. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a la communauté internationale qui voudrait justifier 600 millions de dollars qui sont disponibles pour force étrangère à entrer en dans le pays. Troisième paramètre, là, il y a les groupes armés qui voulaient exhiber pouvoir, puissance, capacité, force de résistance. Et qu'il y a exhibé force pour permettre que vous venez négocier avec vous par rapport à ce que vous fait là. C'est-à-dire, trois paramètres, ça, yo, c'est vous-même pour nous étudier et que pour nous capables d'arriver, essayer de comprendre, sans qu'à comprendre dans ce qu'a fait là. Parce que la situation actuelle du pays est inexplicable et incompréhensible.
Mais kounya là dans trois paramètres ça yo qui est selon même ou est qui vraiment face nous là et c'est lui même qui permet que nèg yo a fait ça affaire là. Non, c'est Ramboglio que n'a vive là. Trois paramètres ça yo cap jouer là. Ou connaît et grand victime là, c'est le peuple haïtien. C'est tout le monde qui a essayé de tirer de la sou yo. Le gouvernement en place voudrait à tout prix, par tous les moyens, garder le pouvoir. La communauté internationale, à travers le corps groupe et les ambassades des pays de l'Occident en Haïti, je ne vais pas perdre le momentum là par rapport à nouvel ordre mondial qui a dessiné. Haïti représente un atout majeur pour yo. Et puis il y a les gangs armés qui viennent comme une entité autonome dans le temps qui te dépend de l'État, qui te dépend du secteur économique là, qui te dépend de acteurs politiques yo, journée jodi a yo vinn gen gros l'argent, gros moyen, pile zam nan men yo, yo senti que yo vinn son pouvoir, yo vinn yé tout, et bien yo vle tirer par yo de sa ka fèt là, et comme si yo positionné yo tout pour bagay lan fèt nan négociation avec yo, yo capable sorti gagnant dans sa ka fèt là et le peuple sera le grand perdant. En avance des idées. Très bien, Ulysse. Et par rapport avec situation, vous montrez que c'est une situation mythique, mais côté gouvernement, communauté internationale, là, il y a joué.